Au nom de la police, ben, nous sommes tous consternés de voir de telles images et de voir un comportement tel. Le code de déontologie précise bien que les fonctionnaires doivent respecter les individus qui sont interpellés. Ils sont même sous la protection de la police. Donc vous comprenez bien qu'il s'agit de manquements avérés de la part de policiers, même si ce ne sont que des agents de sécurité. Les agents de sécurité ne sont pas des policiers titulaires, ce sont des policiers contractuels. Ils ont un contrat de 3 ans renouvelable une fois. Donc ils sont très jeunes pour la plupart du temps. Beaucoup accèdent au concours de gardien de la paix par la suite. Mais cela explique un petit peu cette histoire de films, etc., qui sont condamnés par tous les policiers, et notamment les gradés qui n'ont pas fait attention, d'après des premières auditions, à ces films. Voilà. Mais le fait qu'ils soient agents de sécurité ne les empêche pas d'être dans l'obligation de respecter le code de déontologie, et ils sont passibles de sanctions disciplinaires très clairement.